Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du challenge à la place du marché. La semaine dernière, je vous ai demandé de voter pour le futur mari de Tita, puisque j'ai vraiment envie que vous soyez inclus aussi dans le challenge. Je fais le challenge, mais j'ai envie que vous participiez. Donc, j'espère que vous lui avez choisi un super petit mari. Je ne suis pas au courant des résultats et je n'ai pas voté. Je ne vote qu'en cas d'égalité pour choisir mon préféré, si au cas où il y a une égalité de tout ça. Alors, vous aviez le choix entre Jamie Black et Jamie Blanc. Pas apparemment, certains ont confondu. C'est pourtant clairement écrit. Il y avait Darion et il y avait Paul. Attention, je vais regarder les résultats. Et c'est Darion qui a gagné haut la main. Donc, je n'ai pas besoin de voter. Par contre, c'est dommage, les Jamie étaient très très proches. Je pense que j'aurais préféré un des Jamie. Mais bon, on va faire Darion puisque c'est vous qui avez décidé pour Darion. Voilà, et ben on est parti, je vous retrouve en vote. D'ailleurs, vous êtes 114 à voter et merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et on retrouve donc Dita qui était en train de travailler. Elle mettait à jour son statut social. Ben écoute, fais-le, cocotte, parce que là, tu fais rien. Et on retourne à notre petite maison. On avait invité, c'est vrai, les garçons la dernière fois. Elle a maintenant 80 abonnés. Eh bien, c'est super. Tu vas pouvoir, s'il n'est pas trop trop loin, du coup, appeler Darion. Tac, tac, tac. Comme ça, on va avancer les choses. Au niveau boulot, on est toujours niveau 4, influenceuse de style. On a fait ce qu'il fallait. C'est cool. Donc tu vas en fait te caler, tu vas faire un beau petit bisou à ton futur mari qui est Darion et qui va arriver, bah il est là. Voilà, c'est cool, tu vas pouvoir le recevoir, lui donner les clés. Oui, tu vas inviter à rentrer déjà. De toute façon, il va vivre avec nous à partir de maintenant, donc tu vas parler tenue, pourquoi pas. Tu vas parler de la température très chaude et puis tu vas commencer à le dragouiller. Et ça, c'est très très bien. Faudra bien avancer. Effectivement, on m'avait fait remarquer un peu tard les claquettes chaussettes. Ça ne passera pas du tout. Il repassera par la case relooking, bien sûr. Parce que c'est dégueulasse. Voilà. Attention, est-il réceptif? Il y a l'air. Puisque de toute façon, on est amis avec lui pour l'instant. Il est klepto. Bah, c'est génial, tiens. On va se marrer avec lui. Hein. Tu vas raconter une histoire dramatique. Et puis, vous allez peut-être vous asseoir et discuter. Allez, c'est parti. Tu vas le faire vivre avec nous. Je pense que de toute façon, s'il est dans un foyer tout seul, on ne peut pas prendre l'argent qu'il va ramener. Je trouve ça logique en même temps. Effectivement, il va arriver chez nous avec pas mal de thunes. C'est pas indiqué dans le truc, mais je vais retirer l'argent qui va nous amener, forcément, hein, sinon ça se fait pas. Voilà, il fait partie de notre foyer, mais il a surtout ramené de l'argent, on est à 35 599, donc ça ne va pas du tout. Je vais remettre les sous auxquels on était juste avant. Ok, alors juste avant qu'il emménage, on était à 3211, simflouze. Je valide, on est retourné, voilà, je ne triche pas. Et maintenant, on va pouvoir découvrir, Monsieur Darion, quelles sont ses spécificités. Oh, punaise! Ah ouais, mais non, là, par contre, comme c'est un mec de la galerie, bah, la personne, elle a foutu des millions de traits, quoi. Ah, putain, ça craint! Ah ouais, mais ça me plaît pas. Alors, il est insouciant, savant, doué pour les baisers, vas-y, décide, captivant, économe, jamais fatigué. Ah ouais, alors ça me fait un peu chier. Beaucoup même. Là, ça me fait beaucoup chier en fait, parce que c'est pas assez chiant. Faudrait que j'enlève tout ça. Je vais regarder tout de suite sur internet si on peut pas enlever tous les traits parce que c'est de la triche en fait, tout simplement. Et ça me plaît pas. Voilà. Ok, j'ai littéralement mis une demi-heure à virer ces traits de caractère et en même temps remettre. Ah bah, on voit plus rien. Il avait plein de compétences au niveau 10. J'en pouvais plus. J'ai tout tapé là. J'ai tout cherché sur internet. C'est un enfer. Putain, mais les gens de la galerie, pourquoi vous faites ça, quoi? Pourquoi vous foutez des Sims avec des levels? Ça sert strictement à rien, bordel. Ah, moi, la prochaine fois, je prendrai plus des gens de la galerie. Je les créerai tous moi-même, quoi. C'est plus possible. Donc, il n'y a que ce truc-là de champ que j'ai pas. Parce qu'il n'y a pas le code. Bon, j'ai pas envie de me prendre la tête pour savoir le code en anglais. Si vous l'avez,
Vous me le mettez, je le ferai pour la prochaine fois. En attendant, on continue l'histoire parce que là, je suis complètement coupée. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, bah, on faisait des mamours, je pense, surtout. Et puis, de toute façon, il ne doit pas travailler, sauf qu'il est. Voilà, donc il va démissionner, le petit, là. Il n'ira pas travailler. Tac, 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 c'est ici, tu vas démissionner. Normalement, le futur mari ne travaille pas. Enfin, le conjoint ne travaille pas. Et du coup, on va peut-être reprendre là où on était. Voilà, c'est subjectif. On est démissionné, c'est parfait. Franchement, ça m'a gavé cette histoire. Oh, ça se rapproche tout doucement. Oh, les petits bisous! Trop mignon! Oh, ça se dragouille, ça se dragouille. Ça devient sérieux tout ça. Oh, c'est très mignon tout ça. Ah oui. Ah bah oui, ma belle Dita. Il te plaît? Tu es contente? Hein? Bon, moi je suis moins contente parce qu'il m'a gavé avec ses traits et tout le bordel, mais bon, voilà, tu vas faire un petit premier baiser et attention, attendez, attendez, attendez. Je vais être à la première loge, évidemment. Comment dire? Nous aussi, on veut participer au premier baiser quand même. Allez, je suis prête. Attention. Oui, bravo, Dita. C'est une affaire qui roule. Tu vas manger? Lui, comme il était vert partout, parce qu'il était maxé, parce qu'il était cheaté de ouf, franchement, voilà, vous allez discuter, hein? Tu peux chuter des mots doux, tu pourras lui dire des trucs, hein, à ta copine. Vous allez pouvoir être ensemble officiellement, ça c'est cool. Alors? So-so. Tu vas envoyer un baiser, tu vas complimenter son apparence et vous allez faire un petit crac-crac. Les bébés, ce sera pas pour tout de suite. Enfin, est-ce qu'on va faire un peu de sous avant quand même, histoire de. Là, pour l'instant, on se met en couple, on consomme notre couple et puis ce sera déjà pas mal. Allez, traîner ce nouveau lit qu'on a acheté la semaine dernière et qu'on n'a pas encore essayé. Bon, la chambre, c'est un peu sommaire, hein. Je pourrais faire des décos, mais. Est-ce vraiment utile, sachant qu'on aura quand même besoin d'argent pour acheter les prochaines pièces? Alors, pendant qu'ils font leur petite affaire, on pourra acheter cette pièce ici quand on les mariera. Donc ça, on peut les marier. Je vais pas faire de grandes cérémonies, je pense, surtout, parce que ça va me coûter déjà de l'argent. Ça va me coûter 500 simflouz en plus du mariage. Et si je fais la cérémonie, ça va me coûter beaucoup plus cher. Voilà, en tout cas, on peut acheter celle-ci. Sinon, avec les sous que j'ai, je peux acheter le couloir qui mène en bas, si je dis pas de bêtises. Ouais, cette partie-là vaut 200 simflouz. Ici, il n'y a pas de. Faut juste à 2000. Ici, c'est 1000. Voilà. Il n'y a pas. Après, il faut faire quand même d'autres choses. Et à l'étage, il y a ce bout de couloir ici qui est juste à 200 simflouz. Et après, on a premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Voilà! Donc, on peut acheter des trucs, mais pour l'instant, on va garder. On n'a pas besoin. On fera quand on aura besoin. Oh là là, quel magnifique caleçon, Darion. Tu es superbe. Pendant que tu es là et que tu n'as rien à faire, tu peux du coup nettoyer l'assiette. Et puis, bah, toi, tu veux faire de la culture. Bah oui, il a eu 10, mais je lui ai enlevé parce que, bon, voilà. Il est kleptoromantique, actif et apprend vite. J'ai pas réussi à l'enlever celle-là de truc. Bon, eh ben écoutez, on va profiter qu'il soit debout. Il va faire un peu de peinture, hein, le monsieur. Tu vas faire une toile enjôleuse, tiens, viens. Ouais, c'est ça. Viens faire une toile enjôleuse. Tu vas nous rapporter de l'argent. Allez, cette première toile. Eh ben, ça vaudra 114 simflouz. C'est mieux que rien. Ensuite, tu rentreras à la maison et tu iras te coucher parce que bah, il faut bien dormir de temps en temps. Le patron est satisfait. On va travailler depuis la maison. Alors, on aura chargé des images, d'accord. Donc, ok. Ça va être encore une mission très compliquée pour nous aujourd'hui, hein, je l'avoue. Bon, j'avoue, au niveau du petit déj, c'est pas trop trop ça. Mais mange-toi, pourquoi tu manges pas? Oh là là. C'est pas encore trop.
Hein? On n'a pas encore la cuisine, je sais même pas où je la mettrais la cuisine. Y a... Ouais, ici peut-être. Parce que là, il faudrait que je débloque le salon. D'ailleurs, pour cette pièce-là, c'est niveau carrière, niveau 6, plus 1000 simfous. Je pense plus faire le salon ici. La chambre, elle est bien ici. Là, c'est le bureau, c'est bien. Ouais, voilà, la cuisine. Là. Enfin, de toute façon, on n'y est pas encore, mais il faudra bien trouver de la place un peu pour qu'ils vivent, surtout quand ils auront des enfants et une petite famille, parce que sinon, ça va être compliqué. Bon, Dita, dès que tu as fini de manger, tu pourrais charger des photos. Oui, d'ailleurs, réseau social, partager une photo. Voilà, c'est comme il faut le temps entre les deux. Après, tu feras trouver ta muse et tu contempleras, ça te fera du bien. Ça va pas être compliqué à faire comme mission aujourd'hui. Puis comme il pleut, qu'il y a des orages et tout, ça va être complicado d'avancer dehors en tout cas. Bon, et puis comme c'est l'amour fou entre eux, ils vont travailler ensemble dans le même endroit, il va faire des toiles lui. Bon, c'est classique hein, pour gagner de l'argent, j'ai envie de dire. C'est le seul endroit où je peux mettre vraiment les toiles parce que sinon je peux en mettre qu'une ici. Voilà quoi. Alors, tu as chargé une photo. Une sur trois, c'est parfait. Bon, bah voilà, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Niveau 5 d'écriture pour Dita. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va regarder. Tu peux repartager une photo. C'est cool. Après, pour écrire, tu pourras essayer d'écrire un livre d'amour. Ouais, parfait. Pour gagner d'autres droits, tout ça, tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu vas pas faire des abdos. Tu vas nous vendre tes toiles, la moche, là. Voilà, ça fera toujours des sous de récupérer, hein. Ah là 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 là. Et boum, un livre de plus pour Dita au compteur. Tu vas réseau social repartager une photo. Normalement, c'est bon pour le boulot. Et tu vendras un éditeur ton bouquin. Ah, ça devrait être bien tout ça. Puis lui, il a fait ses toiles, donc c'est bien aussi. On va pouvoir avancer là-dessus. En parallèle, elle créera un groupe pour qu'on maximise nos chances. Voilà, chargée d'images, elle a reçu des sous. Vedette débutante! Ah bah voilà, ça y est, ça commence. Elle n'a pas encore le truc excellent pour l'instant. Elle n'est pas sûre de gagner, d'avoir sa promotion. Par contre, gars... Bon d'accord, il se remet à faire ça. Ok, je vais rien lui dire du coup. Oui, alors on va créer un groupe. On va le créer carrément. On va mettre notre dulciné. D'accord. D'accord, tu le connais pas assez bien. Pourquoi tu rentres pas, il rentre pas dans le groupe Darion, c'est pas trop. C'est du grand n'importe quoi. Mais pourquoi t'as pas les autres garçons là? Pourquoi tu peux pas les ajouter? C'est du gros nawak. Je pourrais faire vraiment n'importe comment, mais. Ok, bon, on va créer un groupe, c'est déjà pas mal. On va les appeler les Winden Friends. Parce que c'est à Windenburg. On va mettre un petit arc-en-ciel, c'est mignon, sur invitation. Aucun groupe, voilà, on va faire ce qui est bien, choisissez une action. On va mettre œuvre d'art et musique. On va plutôt peindre, ça c'est autorisé, pour, comme ça on récupérera les toiles que les gens feront. Autoriser une action sociale. Embrasser, faire crac-crac, nous on va juste être amical pour gagner des points. On va aussi, pourquoi pas, extérieur. On pourrait pêcher. Oui, allez, je vais mettre ça. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On va créer le groupe. Voilà, et on ajoutera tous les copains et ses amis, comme les Jamie et tout ça. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'ils sont? Ah si, quand même, voilà, elle a un bon niveau, mais je ne sais pas pourquoi on ne peut pas les ajouter. Donc c'est pas très très grave, on va les inviter à la maison. Paul, Jamie, Jamie. Et on va les ajouter un à un. Allez, on va ajouter Noël aussi, tiens, tant qu'à faire. Le plus possible de... Quoi? Non, on revient toi. Mais voilà, on va créer un groupe, on va les ajouter, parce qu'après, il faut pour débloquer une pièce qu'on ait pas mal de... Qu'on est bien avancé avec le groupe, donc on est obligé de passer par le groupe en même temps. C'est pas mal vu qu'on est sur Windenburg, vivre ensemble, tout ça. On fait vivre le pack. Ok, c'est bon. Et ben du coup, on va commencer une réunion puisque notre groupe de 6 est complété. Et bah du coup, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. S'ils parlent entre eux, et ben ça fait des points. Et c'est tant mieux puisqu'il faudra des points, tout ça, tout le bordel.
On va discuter un peu avec tout le monde, partager des photos, voilà, tout le truc, parler des sandwichs au fromage fondu aussi, c'est pas mal. Se plaindre de la pluie, c'est pas mal non plus. Bon, c'est un peu petit, d'ailleurs qu'ils vont en parler ici, c'est tout à fait normal. Oups, j'avais pas vu l'heure. Allez, on va mettre fin à la réunion. Parce que ça fait tard tout ça. Toi, ah ben, ça y est, tu commences à être un peu fatigué, tu vas manger un coup? Dita, t'es en bon état. LOL, MDR. Réseau social, tiens, tu vas mettre à jour. Pendant que ton futur fiancé mange. Puis vous allez finir par vous remonter le divertissement ensemble dans le lit, tranquillou bilou. À plus tard, les enfants, les amis, là. Mais LOL, cette tête, c'est. Ah non, c'est bon, j'allais dire c'est archi buggé, mais. Regardez, ça me fait flipper par contre. Allez, un petit crac-crac sous la couette. Ah, même pas! Ah bah zut alors, ils ont escape ce que je leur ai demandé. Bon bah tant pis, il n'y en aura pas du coup. Oui, mais c'est cool, elle a eu sa promotion promue au poste de chroniqueuse culturelle. Gagnera 26 simflouz de plus, soit 70 simflouz de l'heure au total, c'est énorme. Elle a également reçu en bonus 667 simflouz. Commode haute sur pied, Willowday. Pardon. Un petit OK. Je vais bien sûr travailler à la maison. On a donc atteint le niveau 5 de la carrière. C'est canon et on doit juste soumettre une chronique aujourd'hui. Donc on n'a pas grand-chose à faire. Cette carrière est vraiment top. Pour l'instant, on va les laisser un peu dormir et on verra après. La commode, je vais l'installer. Je vais l'installer. Ou pas, parce que regardez, c'est ça comme commode. Alors, je suis bien dans l'inventaire de maison, je vais vous expliquer après. C'est cette commode-là que je trouve vraiment pas belle, donc je vais la vendre. Tout ça, c'est fait partie de l'appartement que Darion avait, ou la maison qu'il avait. Je vais pas passer mon temps à vendre pour après remettre les sous comme on avait, parce que déjà, c'est voilà, j'ai pas envie de. Donc, on va laisser ça comme ça dans l'inventaire de maison. Je ne vais pas les utiliser, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aura acheté avec le challenge. Mais je tiens à vous le préciser qu'il y a ça, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Je me suis dit, ouais, mais non, quoi, je vais pas commencer à vendre tout parce que ça va faire encore une somme énorme et tout ça. Donc j'aurais dû vendre les meubles quand il a emménagé. Mais tant pis, c'est fait, c'est fait. Non, 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 mais ça va, c'est chiant là, vous êtes relou à tout casser. Tu vas écrire donc réseau social, non, c'est carrière. Tu vas blog mode, tu vas blog mode, c'est très logique, et tu vas. Écrire une chronique peut-être avant. Non, bah non, c'est. Comment on fait déjà pour écrire la chronique? Publier. Bah tu vas publier une chronique tout simplement. Lui, il va nous réparer. Je pourrais les faire. Je sais, juste cliquer, remplacer. On a un peu de sous. Mais pour l'instant, il va réparer comme ça. Et moi, ça le fera bosser un peu aussi, hein. Oui! Elle a gagné 650 simflouz pour sa chronique qui a été refusée. Eh, t'es nulle, meuf. Je sais pas ce qui se passe, mais t'es pas très douée. Je suis désolée. Tu vas écrire un livre de non-fiction. C'est déjà pas mal, hein? On a reçu pas mal de droits déjà avec les deux seulement petits livres. Ah, il fait beau aujourd'hui. Qu'on a reçus. Ouais, c'est cool. On va pouvoir peut-être bouger. Ça pourrait être intéressant. Bouger ou au moins profiter de dehors, quoi. Bon, lui, il est en train de réparer. Après, il fera le ménage et tout ça. C'est très bien. Tu es un bon homme de compagnie. Mais alors, Jamie, tu viens faire quoi à la maison? T'as pas invité? Quel est le fuc? Tu iras revendre à ton éditeur un autre livre puisque tu l'as fini. Lui, il nous fait un super hibou. C'est cool. Je pense surtout que les enfants, vous allez vous engager de type mariage bientôt, là, très très bientôt. Ce sera sympathique. Bah voilà, il est une vedette débutante lui aussi. Ils ont gravement besoin de divertissement les deux, donc je vais les envoyer au lit. Hein, c'est pour ça que je voulais qu'ils fassent ça la veille au soir, mais qu'ils n'ont pas voulu. Bon, désolé Jamie, mais. Ah, punaise, arrêtez de harceler, ça y est. Hein. Voilà, elle va se remmerder tout le temps. Bon, ben désolé, mais t'étais pas censée être là, donc nous, on va qu'à nos occupations. C'est comme ça. Allez, amusez-vous les enfants. C'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant, c'est marrant. On a une nouvelle interaction. Demandez à Darion de poser comme mannequin.
Ben, on va demander, on va voir ce que ça fait. Elle peut complimenter le style aussi. C'est sympa parce que ça, forcément, on a de plus en plus d'interactions possibles avec le temps, quoi. Donc c'est cool. Allez, tu vas poser comme mannequin? Ah, c'est ça, quoi, poser comme mannequin? Oh, ben, ça va, tranquille. Eh, par contre, tant que j'y suis, cocotte, tu vas prendre des photos. Tu vas prendre des photos. On va prendre une photo, on s'en fout, on va pas le faire poser. C'est pas très grave. Alors, tu vas faire en photo les toilettes. Tu vas prendre en photo ton mec. Et tu vas prendre en photo l'évier. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Voilà. Hein, elle a franc du skills là en photographie. Oui, bon, on en est loin encore. Hein. Bon, allez, vous allez vous parler là un petit peu encore, faire connaissance et compagnie. Et puis, on va peut-être vous engager en tant que petite amie, parce que vous vivez ensemble déjà, donc il faudrait peut-être avancer là-dessus quand même. Oui! Ils sont petits amis! Et ça tombe bien, puisqu'elles s'aiment bien. Ta-da-na-na-na-na. Ils vont s'embrasser les mains. Voilà. Et puis, vous allez finir par faire un bon petit crac-crac quand même, être désirable, un coquine. Oh là 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 là! Vous allez faire un petit crac-crac là. Regarde-le, lui, là. Qu'est-ce qu'il a, là? Il se la pète, là. Ah oui, d'accord. Ah bah ça y est, c'est ça, le mannequin. Tu le fais un peu trop tard, mec. Hein. N'importe quoi. Dita! Dita! Faire crac-crac avec ton mec. Pour vous remonter le moral, tous les deux. Pas que le moral. Non, pas de bébé, pas encore. Hop, faire crac-crac seulement, c'est déjà bien. Divertissement n'est pas au top et lui il en a vachement besoin donc monsieur a besoin d'être diverti donc Dita va falloir que tu te mettes au boulot sous la couette faut que tu lui fasses des choses qui le divertissent hein ça je vous laisse faire vous êtes les mieux placés je n'ai pas de conseils à donner de toute façon il était déjà en caleçon celui-là bon allez bon amusement et bonne nuit hop on va travailler à la maison on a gagné 650 simflouz on va prendre 5 photos. C'est tranquille la carrière de styliste, c'est tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des abdos. Eh mais lui, si t'es si énergique que ça, tu sais quoi? Va faire un jogging, vas-y, barre-toi. On s'en fout, toi, après tu t'occuperas. On va donc. Comment? On va regarder déjà ça. Il y a moyen qu'on gagne rapidement une autre promotion. C'est cool, on pourrait débloquer ici. Ce serait trop bien. Ah! Mais pourquoi il casse celui-là là? Et il s'est rien passé? Oh, tu vas prendre un repas rapide. De toute façon, on n'a pas de cuisine pour l'instant. Des petits pois, tiens. Petit déj, c'est super. Bon, bah, elle a décidé de faire une toile. Je vais la laisser faire. Et après, on ira faire des photos. Bon, après Jamie Black, c'est Jamie Blanc qui vient squatter à la maison sans aucune raison. Ils sont bizarres. C'est pas parce que vous faites partie d'un groupe que ça y est, hein, vous pouvez venir quand vous voulez, hein. Oh là là. Alors, tu vas me vendre ça. Tu vas discuter un peu avec lui. Histoire de. Je sais pas, voilà. Hein, tu vas l'interviewer, tu vas faire un peu des trucs de mode. Mince, je l'avais complimenté le style, parce qu'il a un pur style quand même, hein, faut se l'avouer. Et puis après, tu viendras, on va faire des photos ici. On va prendre la statue en photo, donc tu viendras là. Voilà, ma belle. Voilà, tu vas prendre une photo de la statue. Tu vas prendre une photo. Des fougères, hein. Et puis une petite dernière, on va prendre ça. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Tout est magnifique. Ça y est, t'as rempli. Prendre des photos. Vous avez vu quelque chose qui vous inspire? Utilisez le téléphone pour chercher. Ah, pour une fois que j'ai pris l'appareil photo qu'il y avait dedans. Ah, oh, maintenant c'est le téléphone. Ma Z, c'est bien dans le téléphone, impression photo qu'il faut faire. Oh là là, donc il faut faire quoi? C'est quoi? C'est ça, mais c'est tout! Je me suis pris la tête pour pas grand-chose! Ah là 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 là! Des fois, c'est pas très cohérent, hein. Oh non! Pas le truc accro au téléphone, c'est relou! Ça va faire comme avec Ibrahim, ça va être chiant cette histoire. Voilà, ça y est, on a gagné 650 simflouz pour avoir pris vite fait des photos. Bon, c'est pas grave, on améliore notre skills quand même. Tout va bien. En même temps, j'ai lancé une petite réunion de groupe, toujours pour gagner des points, avoir des personnes en plus, compagnie, parce qu'il faut avoir jusqu'à 10 avantages de groupe
pour débloquer une pièce. Ouais, groupe de 8 personnes et 10 avantages de groupe. Donc il va falloir qu'on fasse pas mal de réunions pour ça. Oh, son tableau commence à un peu prendre forme. Là, il y a des petits trucs qui sont collés. C'est sympa, j'aime bien. Bon, on va mettre fin à la réunion. On a bien augmenté quand même. Et surtout, on va demander un rencard à Darion. Oui, vous ne rêvez pas. Je vais regarder là comme ça. Oui, non, je suis dans son truc. Voilà. Pour le demander en rencard. Puisque dans son aspiration à la demoiselle, il faut qu'elle aille à deux rencards. Oh non, non, et mon Dieu, il se met à chanter. Oh mon Dieu. Pour le rencard, on vient ici. Il faut de toute façon qu'elle aille à deux rencards. Donc pour l'instant, ça se passera bien, quoi qu'elle fasse, quoi qu'il se passe, on va dire, surtout. On va juste jouer un peu le jeu. Avoir les deux Sims sans joueur en même temps, d'accord, on va draguer, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Puis après, vous irez manger un truc. Alors, il y en a qu'un des deux qui est enjôleur. Meuf, faut que tu sois enjôleuse, s'il te plaît. Ah, bah dis donc, t'as été longue à être enjôleuse, cocotte. Hein. Ouais, faire un massage à votre rencard. Ok, très bien, on va s'y employer, on va dire. Bon, un peu le rencard de l'enfer, là, le barman, il fait de la daube. Il n'y a que Darion qui mange. Elle a même pas eu sa commande, donc... Allez, de toute façon, on a eu l'or, on a réussi quand même le rencard car. Voilà, 1 sur 2, on va pouvoir avancer et rentrer surtout à la maison. Forcément, on termine la soirée et le rencard avec un bon petit crac-crac dans la chambre, tout doucement. C'est tout à fait normal ce qu'il la sort du lit. Oh, ouais, prends-toi un selfie. T'as raison, ma belle. À la sortie du lit, je prends un selfie. Non, parce qu'en fait, voilà, tu vas pouvoir prendre une douche et manger, tout ça. On est samedi, toi, t'as faim, alors tu vas manger aussi. Ce qu'elle sort du lit, c'est parce qu'elle est accro au téléphone, donc c'est très très chiant. Ça, par contre, qu'elle ait chopé ça pour au niveau de sa notoriété, c'est chiant, mais bon, voilà. Bon, on est samedi! Et j'ai un petit projet pour eux ce samedi. C'est qu'ils se fiancient. Et en plus, ça rime. Et pas de cérémonie, tout ça. Et ça nous débloquera une pièce en plus. Et avec le budget qu'on a de 7 600 simflouz, ce qui n'est pas déraisonnable, je pourrais aménager un petit peu là pour avoir une cuisine digne de ce nom. Et du coup, ici, se transformer plutôt en petit salon coquet, on va dire. Allez les amoureux, ça va y aller tout doucement, mais sûrement, tu vas la demander en mariage. Ça va être un grand moment, hein. Mais bon, à moins que j'organise un vrai mariage, mais là, j'ai pas envie. J'ai envie d'avancer dans le challenge. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'organise un mariage maintenant. Oui, elle a dit oui! C'est mieux. C'est mieux, hein, quand même. Voilà, et puis comme je contrôlais les deux Sims, je ne peux pas dire non. D'ailleurs, il devrait y avoir un pop-up qui s'ouvre quand on demande voulez-vous vous marier avec machin bidule? Et tu dis oui ou non, et puis... et voilà. Ça éviterait bien des déconvenues. Allez. C'est pas grave, je vais gâcher 1 000 Simflouz, mais... J'aime trop les mariages pour les gâcher en 5 minutes, quoi. Donc voilà, on va inviter les gens. On va inviter Noël aussi. On va inviter lui. Alors voilà, on va inviter un peu tout le monde. Qui c'est qu'on pourrait, tiens, toi aussi. Et une fille, allez, Janine, c'est parfait. Voilà. Hein, ça fait déjà assez de monde. On va prendre un traiteur, évidemment. Et puis on va aller se marier. Alors, je veux trouver un parc, un truc. Oh bah non, alors! Il pleut! Ah bah venez tous ici! Et tous ensemble, ouais! Ouais! On a du coup été aux prairies de Saint-Michuno! Alors, je n'ai pas du tout prévu de robe de mariée, ils lui ont mis celle-ci. J'ai envie de dire, c'est pas mal, lui il a un beau costume aussi. On est d'accord, tout se passe bien pour l'instant. Les invités arrivent petit à petit, il y en a qui commencent déjà à faire. Oh, on va visiter les lieux quand même. On n'est pas, toi, hein, tranquillou, bilou, quand même. Bah, tout le monde monte, d'accord. C'est la fête, quoi, ici.
Oh, dis donc, t'es bien fringué, toi. Ah bah! C'est Paul! Ah bah, magnifique! T'es vraiment sur ton 31, ça on peut le dire. J'ai envie de dire tant pis pour la flotte, hein. Il faut bien se marier à un moment donné. Allez, se marier! Non, 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 cocotte! Dido! Oh! Dita! Dita, reviens là! Allez! Mais quoi? Mais si, tu peux y aller, idiote! Bouge de là, alors, mec, parce que. Apparemment, elle peut pas se marier avec toi parce que t'es devant. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Ah, puis ça s'allume et tout là. Ah, c'est mignon comme tout. Voilà, un petit mariage. Bon, hein, c'est un peu à la va-vite. Hein. On n'est pas dans le decade. On prend moins notre temps. Mais parce qu'en fait, je voudrais au moins débloquer une pièce par épisode. C'est plus intéressant quand même. Après, ça va trop vite pour vous. N'hésitez pas à le dire. Ah non, elle fait son téléphone en plein milieu. Mais quoi? Mais what, quoi? C'est pas possible, cocotte. Voilà. Ce matin, on n'était que petits amis. Cet après-midi, on se marie. C'est trop bien la vie. Voilà, c'était mes voeux. Attention! Un anneau pour les mener tous et dans les ténèbres, les lier. C'est beau! Pourquoi j'ai choisi ici? Parce qu'on a le feu d'artifice. Et c'est trop cool, les feux d'artifice. Vous imaginez, vous vous mariez, vous avez un feu d'artifice qui pète en même temps que vous passez la bague au doigt, quoi. Franchement, c'est hyper sympa. Et ils sont partis regarder, du coup. Et nos invités sont là. Donc, c'est pas un mariage raté. On est content. Waouh, c'est beau. Hein, ma jolie? C'est-à-dire que même s'il pleut, nous on s'en fout. Par contre, les invités, ils sont... ils vont vite rentrer. Ah, de toute façon, c'est ce qu'ils vont faire aussi. Hein. Et regardez les morphales. Ah, tous à la queue leu-leu ici. Je suis choquée. Choquée, eux. Et ça continue de péter, ils en ont rien à foutre. Hein, eux, c'est... On a faim, on en a dalle. Regardez-moi ça, cette brochette de dalleux, là. Ouais, hey. Hey, il est dalleux. Comment ça va, les invités? C'est grand n'importe quoi. Bon, on va alors que notre cher traiteur ne nous a pas fait de gâteau. Voilà, hein, super. Non, tu vas pas les regarder là, tu vas manger un truc, cocotte. On va pas couper le gâteau, c'est pas très grave vu qu'on a déjà l'or. Mais j'aimerais bien que les traiteurs, en fait, quand on les engage pour un mariage, ils nous fassent un gâteau. Et ce soit pas nos Sims qui doivent les faire parce que c'est légèrement saoulant, quoi. Parce que, voilà, juste comme ça. Bon, bah voilà, après ce fantastique soirée dans la cuisine, on va mettre fin à l'événement. Voilà. J'ai fait 50 événements. Est-ce que tu peux. Ah, tu peux pas mettre dans l'inventaire. Ah, zut, on aurait pu gagner du manger gratuit. Il dit au revoir à sa femme, me dis donc, mais vous allez vous retrouver au même endroit, hein? Non, parce que je sais, il la regarde elle, mais il parle aux autres. Donc, allez, on va rentrer à la maison. Nous voilà rentrés à la maison. Et nous allons consommer le mariage avec Dario. Et je vais du coup débloquer tout de suite les nouvelles pièces. Donc cette pièce ici, c'était mariage plus 500 simflouz. Donc je vais enlever les 7051. Donc ça va pas compliqué, mais je préfère utiliser une calculatrice. Les 6100... 6000... Alors, bon, monnaie. Quand même, 6551 simflouz. Paf, ça veut dire que nous avons acheté cette pièce ici. Et tant qu'on y est, je vais acheter les pièces du rez-de-chaussée, donc d'en bas. Ici. Donc, c'est ce bout de couloir qui est à 200. Cette pièce-là qui est à 1000. Et cette pièce-là qui est à 2000. Donc, ça fait 3200. Je vais enlever 3200. Ça fera 3351. On va plus avoir beaucoup d'argent, hein, j'avoue. Alors, attendez, ça a réécrit. Monnaie 3351. Hop! Et je vais tout de suite mettre les petites ampoules pour montrer que j'ai acheté les pièces. Ah oui, aussi petite chose, vu que la dernière fois on avait débloqué la chambre avec la compétence fitness, je pense qu'on s'était dit que l'autre c'était. Bon, en même temps, j'ai la peinture et j'ai l'écriture au niveau 5, et le jardin est débloqué avec la deuxième compétence niveau 5 plus 1000 simflouz. Pour l'instant, je le fais pas.
Mais je le ferai la prochaine fois quand j'aurai peut-être envie de planter des trucs. Pour l'instant, on a des pièces en plus et c'est pas mal. On va pouvoir... Je sais pas ce qu'on va faire avec, mais en tout cas, pour le prochain épisode, je pense que j'aurai créé une petite cuisine quelque part. J'aurai remis un peu les meubles pour qu'on puisse vivre un peu plus confortablement. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il est un peu plus long que d'habitude, celui-là, j'avoue. Mais au moins, on a bien avancé encore une fois. N'hésitez pas à laisser donc un like, un commentaire, à vous abonner et à checker la description, puisque vous aurez la page outils pour regarder des publicités, pour financer la chaîne, pour les futurs packs, etc. Et tous mes liens réseaux sociaux, Twitter, Instagram et le salon Discord. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la place du marché ou d'autres choses. Allez, salut!